Bonsoir tout le monde, et eh bien je vous propose pour ce soir une petite omelette aux pâtes pour deux personnes. Ici vous avez 200 grammes de pâtes que j'ai fait cuire avant. Alors, soit vous les faites cuire au cookéo, soit traditionnellement dans une casserole ou dans un faitout. Là je vais mettre un petit peu de piment d'Espelette, ça c'est pas une obligation. Je vais mettre un petit peu de curry, du sel et du poivre, là c'est en fonction de la convenance de chacun. Là, je vais avoir besoin d'huile. Et ici, j'ai 5 œufs que j'ai battus. Eh bien, c'est parti pour la recette. Alors, pour commencer, il faut avoir une cuve qui est quand même assez récente et qui n'attache pas. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un sopalin. Et puis, je vais huiler eh bien, ma cuve. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mes pâtes dans la cuve du cookéo, ici. Et je vais verser alors, je mets les pâtes dans la cuve du cookéo. Là, je vais saupoudrer de curry. Je vais mettre une petite pincée de piment d'Espelette. Je rajoute une petite, moi j'aime bien, après c'est pas une obligation. Et puis je vais verser eh bien, mes 5 œufs battus. Voilà. Et je vais répartir tout ça. Et maintenant je vais installer eh bien, mon couvercle. Eh bien je vais programmer 200 degrés. Je vais appuyer sur le timer. Je vais commencer par mettre 15 minutes de cuisson et je fais start. La cuisson est terminée, donc maintenant je vais prendre une assiette, je vais mettre ça sur la cuve du cookéo et je vais retourner mon omelette. Je vais la retourner à nouveau. Et voilà, il ne me reste plus qu'à déguster cela chaud. Je vous dis au revoir et à bientôt.